Bonjour et bienvenue à Besançon-Labelle. Donc Urbex D408 aujourd'hui. Avec du meilleur matos. Je vais te garder le cahier, il est tout neuf. Il y a quelqu'un qui a laissé sa bouffe. Ouais, c'est dommage, elles sont un peu petites pour moi. Je les aurais prises, les New Balance, autrement. Fermé. Hey, cet appartement là, 408, il devait être vraiment bien, quoi. La colline Rosemont là.
pour ceux qui connaissent pas, qui sont pas de Besançon. Voilà le bâtiment qui est en face, là ils vont bientôt le raser, c'est le premier bâtiment qu'ils vont raser. Avant c'était immense, hein. Avant, là le bâtiment là qui est juste en face, là, il s'étendait jusqu'au tas qu'il y a là-bas, là. Et puis là, il y avait un autre bâtiment. Ils ont déjà rasé. Toutes ces informations, c'est pour ceux qui n'habitent pas à Besançon. Parce que ceux qui habitent à Besançon, je pense quand même qu'ils connaissent leur ville. Enfin, en tout cas, j'espère, sinon ce serait vachement triste. On continue. C'est quoi ça? Salle de bain, cuisine. En fait, ils vont installer tous des grilles. J'ai eu l'autorisation, là. Enfin, j'ai demandé à quelqu'un, à un travailleur hier, parce qu'ils vont installer tous des grilles qui seront, comment, qui seront fermées. Enfin, on ne pourra pas voir à l'intérieur. Pour une fois que je peux ouvrir un volet. Je vais pas me gêner. Ah, lecteur DVD. Toilettes, tous les toilettes sont cassées. Cet appartement, il était grand, il devait être vraiment être bien. Bon, je vais sortir, je vais essayer d'aller en face, voir si c'est ouvert. Tout ça, ça sera bientôt rasé, ça n'existera plus. Putain, celui-là, il y a ça pue là-dedans. Waouh, mon Dieu. Même avec le masque. Waouh. Alors, je sais pas. Putain. Ça, pour ceux qui savent, regardez, c'est cramé en dessous. Pour ceux qui savent, à quoi ça peut servir. Je vous laisse imaginer.
Oh mon Dieu, mais l'odeur! Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs, hein. Des chargeurs. T'as le mec qui devait faire une consommation de téléphone parce que des chargeurs de toutes sortes, il y en a de partout. Je sais pas c'est quoi qui sont aussi forts. Pouah, mon Dieu, l'odeur quoi. C'est quoi comme médicament ça? Soluprel. Prédinosolone, je sais pas ce que c'est. Ils ont dû disparaître. Il reste que les emballages. Mon Dieu, que ça pue. Wow. Je sais pas si c'est cette trace là ou je sais pas quoi, mais c'est une infection, c'est incroyable quoi. Voilà. Bon, je vais ressortir parce que là je tiens plus. Bon, c'était Besançon Label. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas, la liberté, c'est à chaque instant. Bonne journée!